Salut, salut la famille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau. Alors la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui la famille, j'ai décidé de pranker ma belle-mère. Vous savez, il y a une vidéo dans laquelle nous vous avons raconté notre parcours pour être parents. Suite à cela, Dieu nous a bénis avec la petite Andrea, notre princesse. Et après la venue de bébé Andrea, qu'est-ce que ma belle-mère m'a dit? Ma belle-mère m'a dit ceci, là, ma fille. Dès que bébé Andrea a 6 mois, tu commences à chercher son petit frère. Vous commencez déjà à chercher son petit frère. Donc, sur ce, j'ai décidé de pranker ma belle-mère aujourd'hui. On doit l'appeler puisque nous sommes dans la même ville, mais nous n'habitons pas dans la même maison. Je vais l'appeler et on va causer un peu de tout et de rien. Et puis, je vais lui dire, maman, je suis enceinte. Ton souhait c'est enfin réalisé, tout en sachant que je ne suis pas enceinte. Dans la famille, restez juste scotchés sur la page, on doit voir sa réaction ensemble. Et si vous nous regardez jusqu'à présent et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne la famille, franchement c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Rassurez-vous d'être abonnez-vous, c'est très important. Likez la vidéo, partagez également pour agrandir notre belle communauté. Et n'oubliez pas de commenter, de nous donner vos avis en commentaire. Donc, là maintenant, je vais l'appeler. Je vais lancer l'appel. On va mettre sur haut-parleur la famille. En espérant que ça va sonner. J'espère également qu'elle ne dort pas. Allô maman. Allô. Allô maman, toi pas de chaleur. Non pas de chaleur. Oh maman, tout va bien. Coucou quand on a qu'on est ayant au pudi. Tu fais quoi? Tu visionnes la mer. Tu sais que toi et la télé là, c'est un autre monde. Il y a moyen de causer là, je voulais qu'on cause franchement. Hein? Je ne te suis pas bien, positionne-toi où tu dois parler, je vais bien comprendre. Parce qu'il y a un sujet là très important que j'aimerais bien aborder avec toi. Oui, maman. Je ne te suis pas bien. Positionne-toi, mets-toi dans une bonne position où tu dois pouvoir parler parce que je vais t'écouter. Donc, tu ne m'écoutes pas. Ok, c'est bon. C'est quoi, maman? Qu'est-ce qui t'amuse? Il y a des soucis. Non, non, il n'y a pas de soucis. Bien au contraire, c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça serait une bonne nouvelle pour toi ou pour moi. Mais je suppose que ça serait une bonne nouvelle pour toi, mais par contre, ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Bon, mais bon, je vais quand même me lancer. Hein? Bon, tu sais que tu as toujours souhaité que je conçois vite, non? Juste après, bon, c'est le cas. C'est le cas, non? Oui, maman. Il y a son petit frère, sa petite soeur, on ne sait pas encore. Dans ton cas, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Bon, mon bébé Andrea n'est pas grand. On est allé à l'hôpital, on a pris rendez-vous là. D'ici lundi, on va aller évacuer ça. Non. Non, comment? Ton père a dit que quoi? Ton père a accepté. Ton père a dit que non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'enfant, il n'y a pas de souci. Moi non plus, il n'y a pas de souci. Il m'a demandé juste de chercher comment je vais faire pour servir bébé Andrea si je veux déjà l'enfant maintenant. Mais sauf que je ne veux pas encore. Elle n'a même pas encore 9 mois. J'aurais aimé qu'elle parte jusqu'à 1 an et demi. 1 an, 5 mois, 1 an, 2 mois avant que je puisse concevoir encore. Donc, moi, son père et moi. Hein? Non, je te coupe la parole, ne t'inquiète pas.
Ouais, maman, non, c'est trop tôt, sans te mentir. Je savais que tu allais me dire ça. Je suis arrivée à toi, à mon Dieu. On a Mathis à cause de. En fait, il a commencé à croquer le lait comme il avait environ 7 mois. Mm-hmm. Le lait de sa mère. Sa mère lui a chiffré. Mm-hmm. Et lui donner encore le lait, elle a refusé. Fait n'importe comment. Le bébé a refusé que voir que quand on l'est avec ton. Mais moi, mon problème, ce n'est pas le fait de lui sévrer tout. C'est juste que je ne suis pas prête pour avoir un deuxième enfant maintenant. C'est ça mon problème. Que tu n'es pas prête. Non, non, maman. Ce bébé André est déjà grande. Et il y a aussi l'argent, il n'y a pas les moyens. Tu le sais très bien. Elle est déjà grande. Elle est déjà grande. Il y avait une femme là-bas près de nous à Safari quand je vivais encore à Bibanda. La femme là a cherché l'enfant fatigué. Que dans sa jeunesse, elle avait fait. Elle a cherché l'enfant fatigué dès que l'autre est venu. Elle a eu une grossesse. Grossesse extraordinaire. Bon, en tout cas, elle a cherché l'enfant, elle n'a pas trouvé. J'ai connu cette histoire comme ça. J'étais encore très jeune. Mm-hmm. Elle a trouvé l'enfant, on lui a dit. Qu'elle cherche le deuxième enfant. Elle avait quelque chose de trop courant là. Elle a été fatiguée. Dès qu'elle a trouvé l'enfant, on a dit qu'elle cherchait l'autre bout de 3 mois après l'accouchement. Mais maman, excuse-moi de te couper. Tu sais que je suis encore jeune, non? Je suis encore jeune, non? C'est pas comme si son petit frère n'a pas venu. Mais pour le moment, je suggère qu'on évacue d'abord. Et son père est d'accord avec moi. C'est même son père qui a proposé l'idée. Il était près de moi, j'allais le gifler. L'enfant n'est pas grave. Maman, tu veux gifler ton fils? C'est un vieux père. Non. Comment il peut dire qu'on évacue? On ne peut pas évacuer. La femme de Aimé a conçu l'autre quand on travaille six mois de vie. Mm-hmm. Enfin, que j'ai dit qu'envoie la moi. Mais là, moi, la femme est venue au village, elle est encadrée. Mm-hmm. Jusqu'à elle a accouché le deuxième bébé. Bon, mais maman, regardez. Les bébés là sont comme des chuchus. Je ne refuse pas, maman. C'est bien beau, mais sauf que toi aussi, tu connais notre situation. Non. Côté financier, là-bas, nous ne sommes pas stables. Et de deux, nous sommes dans une chambre. Déjà, à trois, c'est pénible. Imagine un peu à quatre avec le petit frère de bébé Andrea. À trois, quand je vois, je dois rentrer dans mes dos. Dès que je vois, tu me dois entrer à la maison. Non, tu veux absolument que je garde l'enfant là, n'est-ce pas? Non, non, maman, c'est pas possible. Non, je peux pas garder. Je peux pas garder. Parce que peut-être tu es dans cette reprise. Ça me fait bizarre. Maman, tu peux être là, tu cherches l'enfant plus de 5 ans. Dès que tu vois l'enfant, Dieu veut pisser l'autre là, tu es là. Ça, c'est tuer. Là, tu es un enfant. Tu évacues l'enfant, tu es dans une famille. Tu es là, tu dis que tu veux évacuer l'enfant. Quand ton père et ta mère vivent, et quand tu vis, qu'est-ce que tu veux parler? Mais la matinée est fondue. Mais tiens, maman. Tu t'es eu rodé. Mais la matinée est fondue, ce qu'elle avait dit. Même bien, Riari. Maman, c'est le point. Maman, c'est le point. Yeah. Mais elle est fondue, ce qu'elle Apparemment, on t'a rodé là-bas, tu as rodé dans le domaine, mon frère. Comment Non, maman, tu as vite compris le jeu. Mais tu as quand même un peu traîné avant de comprendre. Hein? Non, si tu étais à côté de moi, j'allais recevoir une bonne paire de gifles. Ouais, maman.
Ouais, non, mais t'inquiète. Si Dieu donne maintenant, on accepte. Il te dit. Et ça va. Oh, la famille, maman a découvert mon point. Bon, maman, tu te portes bien, non? D'accord, maman, d'accord. Prends bien soin de toi, pardon. D'accord, maman. Bonne nuit à vous là-bas. D'accord, maman. Compris. La famille, j'ai une mère. Elle est en train de causer avec moi. En même temps, elle est en train de travailler son cerveau. Donc, son cerveau est en train de réfléchir. Ça tourne mille à l'heure. En même temps, elle cause. En même temps, elle est en train de se poser les questions. Mais pourquoi est-ce que la fille, elle ne fait que me parler comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait que me raconter les trucs sans comme ça là? Mais je ne. Donc, le cerveau travaille au même moment. Oui, ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme de malheur. Elle a vite compris le jeu. Je comptais lui faire tourner le cou, lui faire ça dur. Parce qu'à un moment donné, elle a commencé à m'insulter au téléphone. Mais elle a vite compris. Elle est arrodée. Donc, la famille, j'espère que vous avez bien suivi l'appel. Et je n'arrive pas toujours à croire qu'elle a vite découvert mon jeu. Mais bon, c'est pas grave. On doit encore réfléchir à notre prank. On doit le pranker. Mais je veux l'autre là, ça serait face à face. D'un moment à l'autre. Donc la famille, j'espère que vous avez aimé ce style de vidéo. N'hésitez pas de me faire savoir en commentaire si vous aimez que je refasse d'autres pranks comme ça. Ou je peux alors pranker même ma maman ou mon papa. Bon, la famille. J'espère que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Comme Florence a dit. Et je reviens aussi dedans. Parce que dans chaque prank que nous faisons, on essaie de passer un message. On fait l'effort de passer un message. Donc, on profite par là pour la vidéo d'aujourd'hui, pour le prank d'aujourd'hui que maman a découvert. Elle a découvert le prank au milieu. Elle a vite compris que c'était le prank. Parce que Florence ne faisait que tourner autour de la même chose. Et elle a vite compris que c'était le prank. Et le message qu'on profite pour passer, Florence et moi, nous profitons. Et maman aussi. Vu qu'elle n'est pas dans la fin, mais elle a été dans la vidéo. Qu'on profite pour vous faire passer, c'est quand vous avez cherché l'enfant pour longtemps. Quand vous avez cherché l'enfant pour longtemps. Si votre bébé est déjà à plus de 6 mois, commencez directement à chercher le deuxième. Parce que vous ne connaissez pas les difficultés qui vous ont fait ne pas vite avoir l'enfant. En perdant le temps, le deuxième peut ne pas vite venir. Non seulement ça, si entre temps même il arrive, même si on dit souvent accident de route, des trucs comme ça, là, même si ça arrive sans que vous ne voulez, vous ne savez pas pourquoi est-ce que cet enfant-là a décidé de faire partie de votre vie à cet instant-là. Donc ne cherchez pas seulement à dire que non, on va retirer. Non. Non. Ça peut être votre seul enfant que Dieu a donné. Oui. Vous pouvez retirer et plus tard vous ne pouvez pas recevoir, vous allez faire comment? Rendez-vous compte que vous supplier. Le Seigneur, pendant plusieurs années, de vous donner un enfant, il vous donne. Maintenant, vous n'attendez plus, il donne directement le deuxième, vous évacuez. Et quand vous évacuez, le moment que vous pensez que c'est le moment pour vous de faire un enfant, vous cherchez encore ce deuxième-là, il ne vient pas. Donc, imaginez-vous un peu le mal que vous auriez. Celui qui a cherché l'enfant pendant plusieurs années, ou ceux qui ont cherché l'enfant pendant plusieurs années, ne peuvent pas faire un planning d'accouchement comme ceux qui sont féconds, qui savent que dès que tu embrasses seulement ta femme, elle tombe enceinte. Et c'est le même cas avec nous. Nous ne pouvons pas faire un planning familial en disant que on va faire un enfant, faire 3 ans avant de faire l'autre. Non. Vu qu'on a beaucoup duré avant d'avoir un enfant. Et c'est le même conseil que maman a donné dans la vidéo. Maman a dit à Florence de ne pas évacuer, de faire l'effort de garder cet enfant, même si il fallait même que on lui donne. Oui, elle a précisé que bébé Andrea. Ce n'est pas la personne qui va regarder bébé Andrea qui manque. Il y a encore ma mère, il y a encore mon père. Oui, elle-même, elle est encore là. Elle est à 0 pas de nous. Je peux
si ça arrive que j'ai déjà conçu et que je décide que j'accouche, on lui donne bébé Andrea. Si nous sommes en difficulté financière, c'est dans une chambre à 4, oui, si nous à 4 trop, et que nous sommes en difficulté financière, on lui donne, on reste à 3, comment on reste maintenant. Donc si vous êtes dans la même situation, n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager pour qu'on puisse agrandir la belle communauté et que pour que le message puisse passer à beaucoup plus de personnes. Si vous avez traîné avant d'avoir l'enfant, accouchez le premier, après 6 mois, commencez directement à chercher l'autre. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu en l'air, on se prend prochainement dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude. Bye bye. Bye bye. Bye bye.